Alors, bonjour tout le monde, bon vendredi. Septième semaine de confinement déjà. J'espère que tout le monde va bien et que vous tenez bon. Du moins ici, je dirais côté travail, très occupé. On s'adapte à la nouvelle réalité. Enfin, on était dès chez Red Hat, on travaillait déjà beaucoup à distance, mais il reste qu'on ne faisait pas 100% à distance. Là, maintenant, on est vraiment 100%, donc il faut s'adapter à ça, mais ça va bien. Je pense qu'on prend le. On prend un bon rythme. Côté famille, ben c'est sûr que c'est une autre adaptation, mais grâce aux jeux vidéo et aux jeux de société, je trouve qu'on s'en sort très très bien. Donc, commençons l'épisode avec un changement important à mes diffusions. Du moins, j'espère que ça va être un changement qui va rester. Je suis très heureux d'accueillir un nouveau collaborateur avec moi, qui est un collègue et ami. Qui s'appelle Martin Ouimet. Donc, Martin, on va te mettre à l'écran ici. Attendez un petit peu. Donc, on est là. Salut, Martin. Hey, salut Michael. Ça va? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Hey, merci, merci énormément de m'inviter à l'émission. Écoute, ça faisait longtemps que je voulais commencer ça. Non? Merci beaucoup. Super. Ben, écoute, merci à toi de te joindre à moi dans cette aventure-là. Je pense qu'on va avoir du fun. Ah, c'est sûr. Écoute, pour le bénéfice de ceux qui nous regardent, du moins depuis de ceux qui me regardent depuis presque un an, je sais pas, c'est pas tout le monde qui te connaît, là. Ça fait que peut-être tu peux te présenter Ouais. quelques minutes. Ben, c'est sûr. Donc, ben, bonjour, bienvenue tout le monde. Moi, c'est Martin Ouimet. Je suis architecte de solutions au cloud chez Red Hat. Ça fait maintenant un an déjà, Michael, peux-tu croire? On dirait que je suis arrivé hier, puis c'est ça. En tout cas, fait que, bref, ça fait un an. Puis récemment, à un moment donné, de fil en aiguille, je parle avec Michael, il me dit, ouais, je fais des émissions sur Twitch, tout ça. Je dis, ah oui, ça a l'air cool, ça. Fait que je suis allé voir ses émissions, tout ça. J'ai dit, écoute, je peux-tu y participer? Puis, et voilà. Fait que c'est ma première avec, sur le channel de Mickaël. Bon, excellent. Donc, c'est le fun de voir que tu apprécies ce que je fais. C'est le fun que tu joignes voyons, mes épisodes avec moi. Je pense qu'à deux, on va rendre ça plus dynamique et encore plus intéressant. En tout cas, c'est le but, là. On va voir ce que tout ça va nous mener. Puis là, je regarde un petit peu comment tu es installé. Logo OpenShift de peinturé sur ton mur chez vous. Oui, oh oui, Hein? ben là, moi, j'étais tellement content d'arriver chez Red Hat. Regarde, vois-tu, j'ai mon chapeau. Après ça, j'ai peinturé mon mur. Après ça, je suis allé me chercher un logo. En fait, je l'ai fait imprimer, j'ai collé sur mon mur. Non, sans blague, c'est justement en utilisant les petits outils comme OBS que tu m'as montré. J'ai dit, tiens, je vais essayer ça. Puis ça a donné que j'avais un mur qui était vert. Bon, il y en a qui peuvent trouver ça bizarre, mais j'avais un mur vert dans mon bureau. Fait que j'ai dit, tiens, je vais essayer ça, puis finalement, je peux mettre n'importe quoi. Ouais, excellent, ben ça fait super. Puis écoute, tu m'as donné le goût. J'ai un écran vert, en fait. Ceux qui me suivent depuis les premiers temps, là, la première épisode, je présentais un petit peu les sources du projet, de ce projet-là, de cet épisode-là. En fait, ça vient de mon fils. Mon fils, j'ai tout équipé pour diffuser ses parties sur Twitch. Et j'avais acheté un écran vert. Et on faisait des fonds vraiment trippants avec lui. J'ai pas repris ce concept-là dans mon émission, mais là, tu m'as donné le goût. Je trouve ça cool ce que tu as fait. Puis peut-être pour les prochains épisodes, on va se challenger là-dessus. Oh oui, c'est sûr. Ça va être le fun. OK. C'est sûr, ça fait que Donc, du goût. Martin, on a eu une grosse semaine de nouvelles avec le Red Hat Summit. Vraiment, quantité phénoménale d'annonces. Puis j'espère que ceux qui nous regardent, vous avez eu la chance de regarder le Red Hat Summit cette année. C'était virtuel, c'était gratuit pour tous. Encore un paquet d'annonces qui ont été faites, un paquet de sessions intéressantes. Si vous n'avez pas eu la chance de participer, ben, écoutez, les vidéos sont tous en ligne encore. On peut les regarder. J'ai des clients qui me posaient la question, est-ce que c'est possible de télécharger les vidéos? Peut-être répondre à ça tout de suite. Moi, j'ai pas vu de capacité. On n'a pas d'option de télécharger. Mais si vous utilisez OBS, on enregistre les vidéos. On peut le télécharger. Fait que c'est un bel outil pour faire ça. Quoi d'autre? Donc oui, beaucoup d'annonces. Donc, on va en avoir trop pour cette émission-là. En fait, normalement, je fais le tour des actualités dans mon épisode. Si je fais ça, on en a pour l'après-midi, Martin. Fait que je pense que c'est pas ça qu'on veut faire. On avait déjà du contenu de prévu avant le sommet, du contenu qu'on travaillait ensemble. Donc, on veut prendre le temps de vous présenter ça. Donc, on va y aller sans tarder. Donc, premier sujet, c'est les événements à venir. Donc, deux événements que je veux attirer votre attention.
Le premier, qui est le Ansible Automate, qui a lieu le 7 mai prochain, donc la semaine prochaine. Donc, les Ansible Automate, c'est des événements qui ont lieu généralement dans des grandes villes. On n'a pas eu la chance de voir des Ansible Automate sur notre territoire. Je sais que les gens de marketing m'avaient contacté pour qu'on tienne ce genre d'événement-là, mais on avait tellement fait d'événements Ansible à Montréal et à Québec, on s'est dit c'est peut-être un peu trop. Mais bref, cette tournée-là se transforme en virtuelle, donc tout le monde va pouvoir y accéder. Et c'est la semaine prochaine, donc je vous invite à aller faire un tour le 7 mai. Je vais aller porter ça dans le chat immédiatement pour ceux qui veulent s'inscrire. Donc, oh, merci. On a des petits commentaires, Émilie. Ah. Beau background. Eric, salut Eric. Salut. Donc, Eric. Je viens de mettre le lien pour s'inscrire à Ansible Automate, c'est gratuit. Sinon, le second événement qui est assez important, sur lequel que Martin et moi, on a travaillé beaucoup ces derniers temps, c'est le ROG. En fait, les ROG de Montréal et Québec, qui vont être combinés aussi de façon virtuelle à cause de la situation de la pandémie. Ça va avoir lieu le 21 mai prochain. C'est une première fois qu'on fait un événement combiné Montréal et Québec. Et en plus, c'est la première fois qu'on va l'ouvrir à tous. Donc, bientôt, vous allez voir circuler ça sur les réseaux sociaux. J'attends le lien. Là, je pense que je l'ai eu sur l'heure du midi. Donc, je devais faire sur ça cet après-midi. Là, donc, on a-tu le droit de dire un petit peu qu'est-ce que ça contient, ce rug-là? On peut-tu... Ben oui, vas-y, Martin. Donner un aperçu de l'agenda, juste pour donner le goût de participer. Écoutez, il y a des sujets super intéressants. Tout d'abord, l'installation d'OpenShift en mode UPI, dans le fond, en mode où vous allez l'installer sur vos serveurs physiques. Selon votre infrastructure, votre environnement. Tu dis physique, Martin, mais ça peut être VMware aussi, là, parce qu'on n'a pas API encore avec VMware. Donc, Tout à fait, ça peut être VMware, ça peut être KVM. Bref, c'est le mode d'installation le plus flexible qu'on a. Donc, on va faire une démo live de ça. Ensuite de ça, on a Argo CD, GitOps. Donc, on a Martin Sauvé qui va nous faire la démonstration, présentation des concepts, de l'outil. On a évidemment Michael Dessart qui va nous faire la présentation. Je le connais, lui. Donc, oui, effectivement, trop à Red Hat. Et c'est ça, en fait, ceux qui... je pense, Martin... T'es-tu encore là, Martin? Oui, OK, c'est beau. Je ne voyais pas de son. Donc, oui, Red Hat SSO, on l'a déjà présenté dans un rug. En fait, c'est Sébastien Perrault qui avait fait une présentation Red Hat SSO avec Azure. Dans mon cas, je révisite, en fait, Red Hat SSO, mais c'est vraiment une introduction pour partir de zéro, là, vous emmener à utiliser le produit. Parce qu'on a beaucoup de demandes, on a vraiment beaucoup de clients qui s'intéressent à Red Hat SSO en ce moment. Et je me dis que si on a cet intérêt-là, ben, il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées, qui connaissent pas le produit comme il faut ou qui sont pas à l'aise pour l'installer, donc je vais faire le tour avec ça. Exactement. Puis pour finir, on va couvrir Ansible, on va faire du CI/CD, on va regarder les webhooks, une nouvelle fonctionnalité d'Ansible, comment je peux partir un processus d'automation basé sur un événement, exemple, un événement sur Git. Tous des sujets super intéressants à venir au rug. Ça va être le fun. Le dernier, c'est Pierre. C'est notre collègue Pierre Blanc qui va faire cette présentation-là. Excellent. Sinon, j'ai vu... on a des workshops aussi qui sont cédulés au mois de mai, mois de juin, mois de juillet. Même, ça va jusqu'au mois de juillet. J'ai pas le lien pour les workshops, mais c'est redhatnorth.com, je pense. Oui. Souviens-tu? Mais ça prend l'URL au complet. Ouais. Bref... On diffusera plus tard. Ouais, je ne sais pas si quelqu'un, Amélie ou Eric, pourrait nous trouver le lien et le mettre dans le chat. Là, j'ai oublié de le prendre en note. Donc, y en a trois qui s'en viennent. Automatiser Linux et Windows. C'est des workshops en français le 6 mai, 13 mai, Ansible pour automatiser les réseaux. Et finalement, un peu plus tard, dans le mois de juin, juillet, ce n'est pas déterminé encore, mais administrer OpenShift et OpenShift Container Storage, qui est le sujet de la journée aujourd'hui. Enfin, on a une démo de ce produit-là. Donc, on a un workshop qui s'en vient aussi là-dessus. Excellent. Donc, c'était les événements à venir. On va passer au prochain sujet qui sont les nouvelles et trouvailles. Et principalement, aujourd'hui, on va parler de ce qui a été annoncé au Red Hat Summit. En fait, je vais commencer peut-être par faire un retour d'expérience, Martin. On peut faire ça ensemble, si tu veux. C'était la première fois qu'on vivait un Red Hat Summit en ligne, en virtuel. Peut-être
Toi, je ne sais pas qu'est-ce qui a attiré ton attention, qu'est-ce qui t'a accroché du côté Red Hat Summit cette année? Ben, il faut dire, un summit comme on est habitué de les voir, un summit physique où on est présent, où on est sur place, on ne va pas se le cacher, c'est un show. C'est cool, tout le monde est ensemble, on rencontre un paquet de monde, la musique dans le la place principale pour les sessions générales. C'est vraiment un show. Maintenant, ça m'inquiétait un peu au niveau virtuel, là, comment ça allait se passer. Mais moi, je dirais, le côté que j'ai trouvé le plus avantageux, c'est le côté avoir accès à autant de sessions en si peu de temps. Des fois, quand on est sur place, on va visiter, on va voir une session, changer de place, ça nous permet pas. Si on change de salle, des fois les sessions sont vraiment loin une de l'autre. Donc on n'a pas le temps d'avoir autant de contenu. Fait que le côté virtuel, moi je dirais c'est mon appréciation, c'est d'avoir eu accès à autant d'informations en si peu de temps. Excellent, c'est bien, bon commentaire. Sébastien, merci. Merci. Je pense que Sébastien vient nous envoyer le lien. Donc, si vous voulez vous inscrire au workshop, c'est à cet endroit-là. De mon côté, je te dirais, ben, ça, je rejoins un petit peu ce que tu dis. Vraiment, le fait d'avoir des présentations plus courtes aussi, j'ai trouvé ça quand même bien, plus condensé. Je trouvais ça, c'est différent parce que souvent, au Red Hat Summit, c'est des sessions d'une bonne heure, des fois même 2 heures. Mais là, on était vraiment focusé sur des sessions de 30 minutes à 1 heure. J'ai bien aimé le concept des badges. Martin, je ne sais pas si tu as aimé ça de ton côté. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans les jeux vidéo. Donc, il faut trouver des choses dans les jeux vidéo, ça nous donne des badges. On fait des accomplissements dans les jeux vidéo. Mais c'est le même principe sur la Red Hat Summit cette année. Okay. Donc, okay. Je trouvais ça bien. Sinon, côté coup de cœur, Martin, as-tu une session en particulier qui t'a retenu à ton attention? Ben, mon coup de cœur, c'est la deuxième journée, finalement, la session générale. Ils nous ont fait une démo incroyable, démonstration de notre nouveau, est-ce qu'on va appeler ça un produit ou plutôt une addition à OpenShift, à ce qui s'en vient? C'était une démonstration du Advanced Cluster Management. Dans le fond, c'est l'outil qu'on va utiliser pour gérer plusieurs clusters OpenShift. Hein, vous savez, Red Hat propose des solutions Open Hybrid Cloud. On dit OK, ça nous prend des clusters. On veut avoir la flexibilité de déployer un cluster chez AWS, un cluster on-prem. Là, on parle de edge computing, des clusters qui sont très très proches des sources de données. Comment je gère tout ça? Donc l'offre, le Advanced Cluster Management, la démonstration était incroyable. En fait, comment ils ont fait ça? Ils ont créé un jeu à la style Price is Right. Fait que tout le monde pouvait aller faire leur guess du prix de l'article. Et puis, tout ça était hosté sur différents clusters à travers le monde. Et ils nous ont monté un nouveau cluster live devant nous. Et par simple annotation, une simple annotation dans ACM, dans le fond Advanced Cluster Management, a déployé l'instance du jeu sur ce cluster-là. Ensuite, ils ont détruit un autre des clusters. Les gens se sont reconnectés sur le nouveau. C'était magnifique. Ouais. Très belle demo. Ouais. Burr est excellent. En fait, pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, le Burr, c'est notre démo guy. Donc, au Red Hat Summit, à chaque fois, c'est vraiment resplendissant ce qu'il fait. Il prend un paquet de nos technologies, puis il fait des démos incroyables avec ça. Puis, sachez là, que Burr, il travaille pratiquement toute l'année sur ces démos-là. Normalement, une semaine ou deux après le summit, il écrit aux jeunes techniques chez Red Hat. Il y en a une panoplie de jeunes techniques pour prendre des suggestions pour la prochaine démo du Red Hat Summit. Donc, il y a beaucoup de travail en arrière de cette démonstration. Si vous n'avez pas eu la chance de le voir, c'est possible de le revoir sur le site du summit. Je vous invite à le voir. Effectivement, Martin, c'est une excellente démonstration. Je vous dirais, moi, de mon côté, ce qui m'a... mon coup de cœur, c'est une session, en fait, qui m'a accroché, moi. Qui m'a vraiment impressionné, c'est la session l'intelligence artificielle au OPS, c'est AI OPS, donc c'est l'intelligence artificielle appliquée aux opérations.
Et l'intelligence artificielle, je regarde tout ça d'un œil, ça fait longtemps. Je pense qu'on entend parler, et de plus en plus de gens utilisent l'intelligence artificielle, mais moi, personnellement, ça ne venait pas nécessairement me chercher dans mon day-to-day. Mais cette session-là, vraiment, m'a dit, waouh, c'est bien, c'est super. Donc, on vient démontrer les concepts d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter des possibles erreurs qui pourraient arriver. Par exemple, dans la présentation, on parle d'un cluster Ceph, donc il pourrait avoir un disque qui se point de lâcher, ben, l'intelligence artificielle va détecter des patterns que oui, oups, il s'en vient une panne. Donc, c'est vraiment cool. Je t'invite à aller la voir. Je peux mettre le lien du projet qui est présenté dans le chat si vous voulez aller voir sur GitHub. Il y a du code déjà disponible. Si vous voulez commencer à vous amuser avec Jaeger, commencer à créer vos propres, on appelle ça des notebooks en langage intelligence artificielle, c'est pas évident à monter, là, c'est pas donné pour tous, mais c'est quand même le concept est super. Sinon, dans les autres coups de cœur, pas coups de cœur, mais sessions intéressantes, là, Windows Container m'a quand même impressionné. On s'en va, je sais que ça fait 2 ans qu'on parle des containers Windows, mais là, je pense qu'on arrive à quelque chose de très près, parce qu'on a une belle démonstration, on a eu droit à une belle démonstration au Red Hat Summit aussi. Sinon, le lundi, je sais pas, Martin, si tu as participé au OpenShift Commons, qui est un événement à part du Red Hat Summit, mais selon moi, il devrait être intégré au Summit, là, parce que c'est quand même des produits OpenShift. Je comprends que c'est plus la communauté, mais oui. C'est effectivement décevant qu'ils le mettent à part, parce que même moi, j'ai manqué le début de ça. En fait, c'est toi qui me l'as fait réaliser sur le chat. Je me suis dit, voyons, qu'est-ce que je suis en train de manquer? Puis, parce que le Summit était vraiment annoncé, c'était quoi, le 20, 27, 28 ou 28, 29? Puis, la première journée a comme passé inaperçue. Donc, je suis d'accord avec toi, ça aurait dû faire partie intégrale du sommet. Oui. Donc, ben c'est ça, dans cette journée-là, le matin, je pense, une des premières sessions, c'était les nouveautés avec OpenShift 4.4. Et les sessions étaient super bien montées. On montrait quelques petites nouvelles capacités de OpenShift avec des démos, des démos très courtes, là. Moi, j'ai trouvé ça le format super. Et sinon, du côté Linux, moi je suis allé à la session de démystifier Systemd qui est là à chaque année au Red Hat Summit. Mais cette année, comme les sessions étaient plus courtes, ils se sont vraiment concentrés sur les nouvelles capacités de Systemd avec Rel 8. Donc j'ai trouvé ça super intéressant aussi. Oui. Il y avait aussi une session sur Tecton. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Tecton? C'est une nouvelle façon finalement de faire du CI/CD. Dans le fond, c'est une façon qui est 100% cloud native. Donc, au lieu d'avoir un serveur central qui lui attend d'avoir des événements pour faire ses builds ou qu'une configuration générale, tout est séparé en petites configs, en petits, ce qu'on appelle CRD, les Custom Resource Definition. Fait que toutes des petits CRD, ce sont des containers qui vont partir un après l'autre pour exécuter notre pipeline. Donc, il y avait une session là-dessus, super intéressant. Ils ont vraiment couvert là, tout l'ensemble de la technologie. Excellent. Excellent, Martin. Merci. Merci pour ces suggestions-là. Écoute, il y en a plein d'autres. Je ne sais pas combien de sessions qui ont été livrées au total, là, mais il y en a sûrement des très bonnes qu'on a manquées aussi. Ouais, c'est sûr. Côté chiffres, Martin, tu veux-tu te lancer? On se lance-tu dans les chiffres? C'est assez oui, on se impressionnant. Lance. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Croyez-le ou non, il y a 82 670 personnes qui se sont inscrites au sommet. C'est du jamais vu. Fait que, tu sais, quand on dit, OK, bon, c'est dommage qu'il ait été virtuel, ce sommet-là, mais d'un autre côté, on a tellement touché plus de gens, on a tellement touché une grande audience que faut regarder ce côté positif-là. Sur les 82 000, 56 000, plus de 56 000 étaient attendees. Donc, ils ont vraiment été logués, ils ont vraiment participé aux sessions. C'est 56 000 personnes à travers le monde. C'est des chiffres incroyables. Et près de 14 000 personnes qui ont participé sur les chats qui ont échangé à travers la plateforme de Summit virtuel. Donc, c'était vraiment un succès, selon moi. Puis je pense que dans l'industrie aussi, ce que j'ai lu à droite et à gauche, je pense que ça a été mentionné aussi sur des appels internes. On était les premiers dans l'industrie là, à faire ce genre d'événement-là. Donc, c'est un risque. C'est une première fois qu'on faisait ça aussi gros que ça. On a eu des petits problèmes. C'est la première journée, le matin, là. Je suis avec quelques personnes qui participaient, puis on avait de la misère à voir les vidéos, mais ça a été réglé. Là. Je pense que ça a pris 1 heure, puis c'était réglé. Mais il reste qu'on a pris le risque. On était les premiers. Puis j'ai hâte de voir le retour sur investissement de cet événement-là. Parce que la quantité de personnes qui ont vu nos sessions, là, c'est sûr qu'on a généré de l'intérêt pour nos produits.
Excellent. Dans les autres nouvelles, en dehors, un petit peu, ben en dehors, en parallèle au Red Hat Open, pour Red Hat OpenShift, mais au Red Hat Summit, excusez, il y a eu un paquet de petites annonces qui se sont faites, dont une que je trouve importante, que je voulais discuter avec vous aujourd'hui, du moins en parler, c'est bon, Fedora. Fedora a sorti une nouvelle version, la version 32. Mais je ne veux pas trop passer de temps sur Fedora 32. On fera ça dans un autre prochain épisode. On a beaucoup de matériel aujourd'hui encore à vous présenter. Mais la nouvelle qui m'a accroché, c'est que Lenovo se relance dans le desktop Linux. Donc, je vous mets la nouvelle dans le chat. Donc, je vais juste... Oui. Donc, Lenovo se relance dans cette aventure-là. C'est pas la première fois qu'on voit des manufacturiers offrir des desktops Linux. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous achetez votre laptop, vous allez avoir le choix entre Windows et Fedora maintenant. Mais là, c'est un retour, en fait. C'est sûr qu'il y a sûrement un lien, là, le fait qu'on ait été acquis par IBM. IBM est quand même encore très proche de Lenovo. Mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le monde Linux. Parce que, entre autres, Lenovo a demandé à ses manufacturiers, parce qu'en fait, toutes les composantes qu'il y a dans un laptop, c'est pas tout Lenovo qui les produit. En fait, ils vont acheter des différentes pièces de différents manufacturiers. Et maintenant, ils vont exiger ces manufacturiers-là qu'ils supportent Linux aussi. Donc, ça l'aide à avoir plus de matériel supportant Linux. Puis aussi, je trouve que c'est... Moi, je suis super content de voir cette idée-là, de voir cette offre-là, cette nouvelle offre-là. Comme tu dis, ça s'est passé dans le passé. On a vu Dell qui avait essayé ça avec Ubuntu aussi dans le passé. Ouais. Moi, ce que j'aime de ça, c'est que ça laisse un vrai choix aux gens. Exemple, si moi, je m'achète un PC, je m'achète une machine, toutes les machines viennent avec Windows. J'ai donc implicitement payé cette licence Windows-là, alors que la première chose que je risque de faire rendu à la maison, c'est de formater et d'installer Linux. Donc, je suis vraiment content de voir ça, que Lenovo laisse maintenant le choix. Et ici, là, je ne suis pas en train de comparer l'un ou l'autre, mais c'est vraiment une question, encore une fois, de choix. Absolument, absolument. Ben, c'est bon de revoir. Écoute, avec l'acquisition d'IBM, on commence à voir les effets, là. Et moi, j'attribue cette nouvelle-là à un effet indirect, là, mais puis je pense qu'on va en voir encore de plus en plus des annonces comme ça. On va voir rayonner Linux. Parce que là, on a une très grosse machine en arrière de nous qui est IBM. OK, dans les autres nouvelles que je voulais partager avec vous, une autre qui peut vous intéresser, si vous commencez, vous débutez avec OpenShift, vous êtes intéressé à OpenShift, on offre une formation gratuite qui normalement est une formation payante. C'est une formation introduction à OpenShift qui s'appelle application. Je n'ai pas le titre exact, là, mais j'ai DO101, introduction OpenShift application. Donc, oups, je le mets dans le chat si ça vous intéresse. Donc, c'est une formation pour laquelle on vend habituellement. Bon, dans le temps de la COVID, c'est un cadeau qu'on veut donner à nos clients. Et nos nouveaux clients, en fait, une formation gratuite. Donc, la formation, ce qu'elle vous permet de découvrir, c'est en fait comment démarrer une application dans OpenShift. Comment en fait utiliser OpenShift pour concevoir des applications, rouler vos applications dedans. Donc, c'est une belle introduction. Ça ne vous montre pas nécessairement comment installer OpenShift, mais ça vous montre comment le consommer. Donc, encore une fois, c'est gratuit. Je vous invite à aller faire un tour, l'essayer. C'est gratuit pour 30 jours, je pense, là, où ça va. Non, jusqu'au 30 juin, excuse-moi. 30 juin 2020, la formation monte gratuite. Après ça, elle va retomber payante. Donc, c'est une belle offre que Red Hat vous fait. Sinon, il nous reste un peu de temps, Martin, avec ta démonstration. Moi, je continue un petit peu dans nos nouvelles. Certainement. Tant mieux si on a du temps. On avait même le temps. Ben oui. Excellent. Côté, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme nouvelle intéressante? Côté Red Hat Linux, tiens, on a une nouvelle version qui est sortie pendant le Red Hat Summit, la version 8.2, que j'avais déjà touché à la dernière épisode, les principales fonctionnalités. Donc, c'est maintenant GA. Souvent, les clients, les gens attendent la version 0.2 pour version 0.1 ou 0.2 pour vraiment faire leur migration. Donc, avec la version 8.2, je pense qu'on va... On va voir plus de gens migrer vers RHEL 8, ce que je l'espère. pendant une des sessions, en fait, au Red Hat Summit, pendant la session sur Systemd, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Systemd a un nouveau logo. Donc, est-ce que je pourrais vous montrer ça? Oui, je vais essayer de vous montrer ça ici.
Donc, systemd qui est une composante assez importante du kernel. Attendez un petit peu, juste ici. Martin, on va devoir disparaître. Là. Juste vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, ça a été présenté pendant le Red Hat Summit. Je sais que ça avait été pas mal lancé avant le Red Hat Summit, là, mais il y a maintenant systemd logo. Je trouve ça bien, là, qu'est-ce qu'ils ont fait comme de donner un logo à cette composante qui est quand même assez importante de Red Hat Linux. OK. Écoute, Martin, je pense qu'on va aller, on va poursuivre avec, on va quitter les nouvelles et on va aller immédiatement, je pense, à ta démonstration. En fait, la démonstration que tu as montée sur OCS. Super. Donc, attends un petit peu, je vais juste updater. Ben, vas-y, tu peux y aller. Écoute, je vais essayer d'introduire les gens en fait OCS parce que je devine que c'est pas tout le monde qui connaît OCS ici, donc on peut peut-être commencer avec quelques mots là-dessus. C'est sûr, c'est sûr. Mais en fait, avant de se lancer dans OCS puis dans le cœur de la bête, on va juste se poser une petite question de pourquoi qu'on a investi là-dedans puis qu'est-ce qui est important. Ouais. Donc, première des choses. Oh, c'est ça. Première des choses, c'est quoi l'avantage d'un container? Hein? C'est d'être éphémère, d'être petit, de pouvoir être qu'on puisse l'instancier n'importe où, dans n'importe quel cloud. C'est quoi le désavantage d'un container? C'est d'être éphémère, d'être petit, de pouvoir le mettre un peu partout. Puis pourquoi je dis ça? Parce que on a des cas où on a besoin, on veut rouler une application, on a déjà notre infrastructure de container, notre Kubernetes en place, et puis on veut, exemple, partir une base de données. Bon, comment je roule ma base de données? Comment je fais ça? Est-ce qu'à chaque fois que je détruis le pod, je vais perdre mon data de ma base de données? Ça n'a aucun bon sens. Donc, j'ai besoin de ce qu'on appelle de volume persistant. J'ai besoin de persistance pour certains de mes containers. Le moins possible, évidemment. Donc, plein d'alternatives qui ont existé depuis le début. NFS, hein? Fait que là, on peut créer nos volumes. C'est un par un dans NFS, très compliqué. Je peux avoir un cluster Ceph externe, si je veux. Mais là, ça me prend des administrateurs qui sont ferrés en Ceph, qui doivent monter tout ça. Je peux avoir un NAS. Bref, ma plateforme va toujours dépendre d'une entité externe. Et puis, c'est là qu'OCS arrive en jeu. Dans le fond, on est arrivé, on a dit, OK, bien, les gens ont besoin de cette persistance-là, mais ils n'ont pas juste un use case. On a besoin de stockage, d'une solution de stockage pour les fichiers. On a besoin d'une solution de stockage, excusez-moi, pour le bloc, les blocs objets, exemple un Kafka ou une machine virtuelle, peut-être. On a besoin de stockage objet aussi, parce que de plus en plus que les applications se modernisent, plus les développeurs vont tirer profit du stockage par objet. Donc, OCS va donner toutes ces composantes-là. Donc, si je vous montre à l'instant, je partage mon écran actuellement, on va regarder un petit peu OCS, qu'est-ce que ça comporte. Donc, première des choses, le système de fichiers, le système de réplication de fichiers, c'est Ceph. Okay? Ensuite, on a dit, OK, mais Ceph, comment on le met en container? Donc, il y a un autre projet open source qui est né, qui s'appelle Rook, qui ont fait toute la logique, tous les opérateurs pour pouvoir opérer, installer Ceph, mais dans un monde Kubernetes. Et puis finalement, pour traiter le stockage objet, on a utilisé une technologie qui est Nupa, en fait une petite compagnie dont Red Hat a fait l'acquisition. Ça fait, je ne sais pas, Mickaël, un an ou deux? Ouais. C'est quand même assez récent. Oui, c'est fait pas longtemps après l'annonce d'acquisition de Red Hat par IBM, excuse-moi. Ça s'est fait pas longtemps après. Mais oui, ça fait pas longtemps. C'est la dernière, en fait, qu'on a fait. C'est la dernière acquisition qu'on a fait. C'est ça. Donc là, nous, Red Hat, qu'est-ce qu'on fait? On prend des projets qui sont open source, qui sont libres, et puis on veut les rendre accessibles pour les entreprises. On veut que les entreprises soient confortables avec l'utilisation de cette innovation-là. Et puis, en fait, c'est ce qu'on fait de mieux. Et c'est là qu'avec OCS, on a pris tous ces produits tous ces projets communautaires-là, puis on en a fait un espèce de package où on peut facilement l'installer et l'intégrer à même OpenShift.
Mais écoute, moi je te dirais, Martin, même c'est même facilement, ça se fait automatique. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vraiment. Non. Parce qu'installer Ceph, c'est sûr qu'aujourd'hui, si on installe Ceph 4, c'est beaucoup plus simple que c'était, mais reste que de se monter un cluster Ceph, c'est pas une mince tâche. Mais là, en fait, OCS le fait pour vous pratiquement. Exactement, exactement. Donc, imaginez un monde où j'ai ma plateforme de container qui me fournit mon stockage, qui me fournit mes pipelines d'exécution, hein, Tecton, on en a parlé tantôt. Bref, une plateforme unique pour tous mes types de workloads. Donc, regardez ici, ça c'est la page, dans le fond, la page d'accueil qui est le dashboard de OpenShift que certains, en fait, j'espère que certains connaissent. Regardez les onglets ici qui s'ajoutent. Ça, c'est l'opérateur OCS. Donc, mon OCS, qui est le méta-opérateur qui, lui, contrôle les sous-opérateurs de Rook et de Nuba, va aussi aller créer les nouvelles pages dans la console pour me donner l'intégration et l'utilisation de mon stockage pour chacun de mes namespaces, okay, de mes projets dans OpenShift. Donc, vous voyez ici la page, j'ai mon statut du cluster. Évidemment, qui est fonctionnel, qui est beau. Et ici, j'ai le capacity breakdown. J'ai chacun de mes projets, combien de data utilise-t-il? Okay? Ce genre d'information-là, quand on a une fabrique de stockage déconnectée de notre infrastructure Kubernetes, c'est quasiment impossible à avoir comme information. Puis, c'est crucial, en fait, parce qu'à un moment donné, on regarde, on dit, OK, ben, il faut ajouter des nodes, il faut investir. Mais pourquoi il faut investir? C'est qui mes consommateurs? Donc là, dans un coup d'œil, je sais qui consomme. Okay? Et d'un point de vue objet, même chose. Je veux savoir qui utilise combien d'objets. Donc, vous voyez ici, j'ai un projet qui s'appelle Object Demo 1, Object Demo 2. Mais aussi, les objets sont faits pour être mis dans différents clouds. En fait, AWS a sa solution d'objets. Google a sa solution, Azure a sa solution. Mais imaginez une plateforme où, à partir de la même plateforme, je peux répliquer ou je peux contrôler quel objet va où et je peux voir finalement l'intégration à travers mon dashboard OpenShift. Donc, je me lance. On va carrément créer un namespace, un projet. On va déployer une application qui fait une tâche. Écoutez, une tâche de très, très grosse envergure qui est de faire un tel-f dans DevNull. Hein? Tout ce qu'on veut, c'est un container qui fonctionne. Donc, on va faire OC, New Project, OK, and Twitch, T, Demo 5. Et je vais déployer cette application-là. C'est UBI deploy. Donc, je viens de faire un déploiement dans mon namespace. Jusque-là, les gens habitués avec Kubernetes vont s'y retrouver. Donc, j'ai mon nouveau namespace ici, TDemo 5. Vous voyez le déploiement. J'ai mon pod qui roule ici. Donc, maintenant, j'ai besoin de stockage pour ce pod-là. Okay, je veux pas aller provisionner statiquement et tout. Je veux quelque chose de dynamique. Donc, regardez la facilité avec laquelle je peux ajouter le storage. À même la console, développeur console, je peux cliquer sur Add Storage. Je peux aller dire, non, je veux faire un new claim parce que je n'ai pas de stockage déjà de prédéfini. Automatiquement, on me dit, OK, ben on va aller sur CephFS. CephFS qui a été fourni par OCS. On va lui donner un nom. Donc, T-Demo 5. App, read write once, read write many. Pour bien des gens, c'est pour bien des use cases, en fait, on a besoin des deux options. Bon, combien de gigs? On va y aller, on se lance, 15 gigs, et on mount ça sur persistant, qui va être un nouveau répertoire que je vais voir dans mon pod, en fait, puis qui va pointer sur mon volume. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Mon déploiement a changé. On va instancier le nouveau pod, Container Creating. Une fois qu'il va être créé, on va terminer l'ancien pod pendant une petite seconde. Puis,
Martin, pendant que ça fait ça, j'ai une petite question pour toi. Là, je te lance ça, je sais que on ne s'est pas préparé là-dessus, là, mais CFFS, c'est le file system que tu as pris, là, l'option. Oui. Est-ce que CFFS avait un prérequis, une composante d'OpenStack? Est-ce qu'ils ont changé ça ou ont bundlé ça avec la solution? Ben, dans mon cas, j'avais pas de prérequis. Moi, j'ai une installation qui est simulée. Je roule sur OpenStack à cause que c'est un lab, bien sûr, ouais. Mais je simule un environnement bare metal. Donc, j'ai installé mon OpenShift en utilisant le UPI. J'ai tout simplement ajouté des disques à mes VM. Donc, ils se sont fait présenter à mes VM, dans le fond, mes nodes, comme étant slash VDB, dans un cas de machine physique, on aurait vu SDB, possiblement. Et puis, j'ai ensuite utilisé ce qu'on appelle un opérateur local storage. Puis avec cet opérateur-là, j'ai juste dit à mon opérateur, écoute, fais le tour de mes nodes et cherche VDB. Si tu vois VDB, crée-moi un storage class avec ça. Et puis, Rook va pouvoir l'utiliser. OK, on va passer un petit peu à travers ce processus-là si on a le temps à la fin. Donc, si je continue ici, j'ai mon nouveau pod, vous voyez. On va regarder qu'est-ce que j'ai à la racine. J'ai mon répertoire persistant, évidemment. Et puis, si on regarde un petit peu les... qu'est-ce que ça nous donne? Fait qu'on voit ici le nouveau volume persistant. Il y a 15 gigs. Et regardez ici, il pointe sur mes trois nœuds. Autrement dit, mes trois nœuds cerfs qui sont en réalité des conteneurs hostés dans mes trois worker nodes. Donc, on va aller ici dans le volume persistant, puis on va tout simplement utiliser l'espace. Donc, j'avais quoi? J'avais 15 gigs. On peut utiliser peut-être 13 gigs. Et puis, donc, on a créé notre fichier de 13 gigs. Ce qui est intéressant, là, ça prend peut-être une petite minute avant de le voir, mais très rapidement, vous allez voir ici mon nouveau projet, dans le fond, mon projet T-Demo 5, qui va apparaître sur cette ligne-là, et puis automatiquement, je vais voir que ce projet-là utilise plus d'espace. OK? Donc, avant d'avoir la statistique, comme je vous dis, ça prend maximum une minute, là, souvent moins que ça, on va regarder... le deuxième use case qui est le stockage objet. Vous allez voir, le stockage objet, c'est vraiment impressionnant comment la plateforme va gérer ça, comment OpenShift s'intègre avec Nuba, comment Nuba s'intègre avec les autres cloud providers. Donc, je vais simplement aller ici et dans mon onglet storage, parce que j'ai installé OCS, encore une fois, la console m'a donné de nouvelles options qui sont Object Buckets et Object Buckets Claim. Donc, si je vais ici, pour mon projet Demo 5, je vais créer un bucket que mon application va pouvoir utiliser. Donc, exemple, Demo 5 App 2. Regardez le Storage Class. Un Storage Class qui a été créé automatiquement, qui est associé avec Nuba. Donc, j'ai eu aucune configuration à faire, je vous le dis, croyez-moi. C'est vraiment tout l'opérateur OCS qui s'est occupé de ça pour nous. Donc, je crée ce bucket-là. Alors, c'est fait. Vous voyez ici, c'est bound. Donc, tout est beau. Et juste rafraîchir ça. Et si on regarde ici en bas, on a toutes les informations pour accéder au bucket. Donc là, on va afficher les valeurs. C'est pas grave, vous pouvez les prendre en note si vous voulez, si vous avez le temps. Donc, c'est enregistré, Martin. En plus, on peut mettre le temps de mettre ça sur pause. Aucun problème. Aucun problème. Oh. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fameuse commande AWS S3 pour se connecter à notre bucket. OK? Puis, on va aller copier un fichier dans notre bucket. Peut-être avant. Oui. Martin, la commande AWS, elle sort de où, cette commande-là? Tu as téléchargé le SDK d'Amazon? Oui, exactement. Je suis allé sur la console Amazon, la console AWS. Je suis allé chercher les clients parce qu'on s'entend, c'est une interface qui est compatible S3. Donc oui, c'est ça. J'ai téléchargé le même client, finalement. Donc, ce que je vais faire ici, on va utiliser. Dans le fond, je vais faire un configure. OK.
Fait qu'on, je vais juste effacer ma console. AWS Configure. Et là, on va me demander quel est mon access key. Alors, je vais copier mon access key. Vous voyez comment c'est simple. Mon secret key. Je copie mon secret key. Voilà. On ne met pas de région, évidemment. Et puis ensuite, on va faire un ls sur notre endpoint. Et on va voir qu'est-ce qu'on a. En théorie, on aura un bucket. Et voilà, on a le bucket. Et sur ce bucket-là, en théorie, on devrait avoir Array. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est aller copier un fichier. Okay? Donc, on va prendre AWS S3, notre endpoint. Évidemment, il faut spécifier l'endpoint parce que par défaut, le CLI va utiliser les endpoints d'AWS par défaut selon la région. Donc, on va copier le fichier. C'est une image, container.jpg. En fait, c'est quelle image? C'est. Oups. C'est quelle image? C'est cette image-là. Donc, on va aller la copier sur notre bucket. Donc, notre bucket qui est ici. Donc, on va faire S3/ et mon bucket. Oh, petite erreur. Et j'ai qu'est-ce que j'ai fait? S3, endpoint, storage, CP, containers. Évidemment, c'est des live démos, hein? //. C'est bon. Donc, alors c'est copié, on a uploadé le fichier, ok, tout est beau. Maintenant, on va aller voir du côté de Nuba. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Nuba? On va voir vraiment l'intégration. Donc, T5 démo, T démo. Non, 5, Martin, attends un petit peu, pour accéder à ta, à ta console Nuba, t'as fait quoi? Ah, merci Michael. Merci Michael. J'entends la question des gens qui nous regardent. Ah, ben oui, je m'excuse. Encore une fois, c'est tout intégré. Donc, dans l'onglet, dans le dashboard principal, dans l'onglet Object Service, où j'ai vu mon breakdown, j'ai accès ici à la console Nuba. Vous voyez l'intégration Nuba. Je clique sur ce lien-là et automatiquement, ça m'amène vers la fameuse console. Okay. Fait que je ne l'avais pas fait pour éviter ça, pour éviter le login, mais c'est vraiment pas grave. Et voilà. C'est bon? Excellent. Merci, Martin. Ben, pas de problème. c'est le but du démo. Donc, est-ce que c'est assez gros? Oui, c'est bon. Alors, vous voyez ici, mon Nuba est déjà connecté à différents clouds, donc sur mon compte. Ce sont des ressources, finalement, qui sont définies ici. Donc, j'ai des ressources AWS S, West, Azure, Google. Et si je regarde mes buckets, donc j'ai mon fameux démo 5 App 2, je clique sur ce bucket-là, je regarde les objets, et vous voyez mon objet container, c'est pas un JPEG. Bon, c'est cool, mais disons que c'est très, très, très important comme fichier. Okay? Je ne dois jamais perdre ce fichier-là. Ce bucket-là, c'est un bucket d'information critique. Alors, je peux modifier les caractéristiques du bucket et dire, eh bien, ce bucket-là, je veux qu'il soit en miroir avec Google, avec AWS, tiens, Azure, on fait all-in. Donc, on va avoir une copie on-prem, une copie chez Google, une copie chez Azure, une copie du côté AWS. J'enregistre ça. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des objets? On va aller voir les parts. Vous voyez ici? J'ai des blocs, des replications in progress. Fait qu'on est en train de répliquer. Voilà, en fait, par le temps que j'ai cliqué, ça s'est terminé. Donc, mon objet, tout ce que je vais pousser dans ce bucket-là, automatiquement, va être répliqué dans les différents clouds. Puis, ce qui est intéressant, c'est que quand je retourne ici à ma console, bon, encore une fois, T5 démo, la statistique va se mettre à jour dans quelques instants. Et aussi, je vais pouvoir voir mes statistiques se mettre à jour au niveau de la consommation des différents clouds. Okay? Si je retourne ici, est-ce que notre T5 démo est arrivé? 13 gigs. Fait que j'ai pas menti. Vous voyez, très bien là. Je peux aller cliquer « View more ». Fait que je peux voir une vue plus détaillée, qu'est-ce qui s'est passé. Vous voyez ici, T5 démo a commencé sa consommation exactement là
entre midi 50 et midi 55, on voit la ligne qui a monté. D'accord? Alors. Martin, prends une pause un peu. Oui, oui. Prends une petite pause parce que ce que tu viens de montrer, là, je pense qu'il y en a plusieurs là, qui vont être super intéressés. En tout cas, du moins, moi, le premier, dans mes anciennes vies, j'avais à gérer un parc informatique. Là. Avoir une solution comme ça, automatisée comme ça, répliquer facilement nos buckets dans les clouds qu'on veut pratiquement. C'est gros, là. C'est vraiment gros. Je trouve c'est très gros. Puis tu me fais penser que j'en oubliais de montrer à quoi ça pourrait ressembler du code, d'exemple. Si, mettons, je développe mon application, j'écris mon application pour qu'elle soit cloud-native. Je ne veux plus une application qui écrit des fichiers sur un disque, puis qu'après ça, je suis obligé d'y donner un volume persistant, puis toutes ces choses-là. On ne veut plus ça. Mais regardez, ici, j'ai un petit morceau de code en Python, où ce que j'ai fait un objet, hein, un objet très, très générique. Python. Et puis, je peux tout simplement appeler l'API S3 parce que j'utilise, dans le fond, les librairies connues S3. J'ai tout simplement à mettre le nom de mon bucket ici. Donc, je vais copier le bucket sur ici, comme ça. Et je vais mettre à jour ma variable en fait, qui contient mes fameuses clés. Donc, je vais être obligé de retourner du côté stockage dans mon object claim. Je vais cliquer ici sur mon bucket. Je vais aller copier ma clé. Je vais mettre la clé ici. Et finalement, je vais copier le secret. Et on va remplacer le secret dans mon code. Okay. Puis, on essaye ça. Donc, Python 3 S3 Create object. Marche-tu? Marche. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Si on s'en va dans Nuba, on regarde, finalement, je retourne au niveau de mon bucket, mon démo 2. Vous voyez ici, j'ai un nouvel objet. Et lui, c'est pas une image, c'est pas un fichier, c'est du data que mon application peut réutiliser. Puis mon data, j'ai pas besoin de backup, j'ai pas besoin de m'occuper de ça. Il vient déjà d'être répliqué. Je peux cliquer dessus si vous me croyez pas. Mais je peux cliquer ici, puis vous allez voir. Il est dans Azure, il est on-prem, dans Google, puis dans AWS. C'est cool, hein? C'est très, très cool, hein, Martin. Je suis certain qu'on va générer beaucoup d'intérêt là, avec cette démonstration-là. Donc, super démo. Ben c'est ça. Là, est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on veut se lancer dans un petit peu le « under the hood » Oui, écoute, Martin, on a du temps. On a encore un bon 10, une dizaine de minutes, je te dirais. Fait que oui, je pense que ça pourrait être intéressant de montrer un petit peu maintenant comment c'est facile de mettre en place OCS. Peut-être donner, je sais qu'on ne peut pas le refaire parce qu'il est déjà fait, là, mais peut-être donner juste les traces par où passer un petit peu pour mettre en place OCS. Puis vous allez voir, là. Vous allez voir. C'est plate, là. C'est plate à installer. c'est tellement simple que ça en est plate. Première des choses, je vais vous montrer mon opérateur local storage. Comment j'ai fait ça? Fait que local storage, OK, opérateur que j'ai installé dans ma console, puis j'ai installé une instance. OK. Puis cette instance-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a permis, comme je disais tantôt, d'aller voir dans chacun des nodes, puis d'aller chercher le bon drive. Puis de me l'exposer, de l'exposer à OpenShift finalement, pour qu'il soit disponible à Rook. Donc, si je regarde le YAML, bon, évidemment, tout ça, je ne l'ai pas écrit. Ce sont des fameuses annotations, metadata que OpenShift va mettre. Mais moi, qu'est-ce que j'ai dit en gros? J'ai dit, écoute, je veux que tu regardes chacun des nodes de mon cluster qui ont ce label-là, qui ont le label OpenShift Storage. Et regarde pour le drive VDB. Ça aurait pu être SDB ou peu importe le path vers votre drive. Ça prend un drive non formaté. Ne mettez pas LVM, ne mettez rien. Les opérateurs vont s'occuper de ça pour vous. Par expérience, ne touchez pas ce drive-là. Alors, vous le laissez vide tel qu'il est et puis vous le donnez. Ensuite, on s'en va dans le namespace OpenShift Storage. Ici, on va regarder les opérateurs.
Donc, on a installé l'opérateur OpenShift Container, Container Storage. Si je clique là-dessus, je regarde mon Storage Cluster. Moi, ce que j'ai créé, c'est uniquement cette instance-là. Okay? Donc, un autre YAML dans lequel j'ai dit les MON, tu vas les placer sur les nœuds directement. Donc, je n'ai pas besoin de te fournir un disque externe. Tu peux utiliser le disque du nœud. Si vous voulez utiliser des disques externes, vous voulez dédier des disques pour les MON, c'est tout à fait possible. La première fois que je l'ai essayé, OCS, c'est comme ça que je l'avais fait. Maintenant, c'est supporté peut-être par de le faire comme ça. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je dis, OK, ben mes OSD, les disques finalement qui vont contenir le data, je veux utiliser le storage class local block qui a été créé par l'opérateur local storage. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Du moment que j'applique ce YAML-là, OK, en bas, c'est juste le statut, encore une fois, c'est pas moi qui ai écrit. Moi, j'ai écrit juste le morceau entre spec, dans le fond, le morceau spec qui est là, jusqu'ici, jusqu'à la version. Du moment qu'on applique ça, qu'est-ce qui se passe? On a, on va le dire, un drôle de pod qui part. Donc, on a l'opérateur, finalement, qui regarde la config, qui regarde l'état. On a le deployer, le provisioner, excusez. Bref, un paquet de pods, là, je suis en train de scroller, vous montrer ça. On a Nuba, évidemment, qui part parce que là, il y a le Nuba opérateur qui embarque dessus. Le Nuba opérateur, lui, il attend que le rook ait terminé parce qu'il va, il va prendre un disque sur Ceph pour lui-même. Fait que tout ça est orchestré de façon automatisée. Et puis, quelques minutes suivant l'application du YAML, on a notre cluster, la console, on fait un refresh sur la console, on voit les nouveaux outils que je vous montrais tantôt apparaître automatiquement. C'est hyper bien intégré. OK, excellent, Martin, excellent. Tu peux-tu parler un petit peu des prérequis pour OCS? Il y a quand même des prérequis assez importants en termes de ressources, là. En termes de ressources, c'est assez gourmand. Effectivement, on va pas se le cacher. On parle de 3 nœuds minimum. Chacun des nœuds doit avoir 16 vCPU chacun et 64 GB de RAM. C'est le minimum pour partir. En fait, moi, c'est ce que je roule ici. Si je vous montre vite fait mes compute nodes, moi, je roule en mode hyper convergé. Donc, j'ai mes master, mes worker, mon storage. Tout ça roule sur 3 nœuds. C'est quasiment en train de faire une démonstration de edge computing parce que tout ça roule dans un petit rack de 3 serveurs. Mais c'est ça, ça prend quand même des bonnes machines. Ouais, c'est ça, exactement. T'es dérangé un petit peu, Martin. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, on vient d'avoir une nouvelle personne qui nous suit. Là, j'ai pas eu le temps de voir le nom de la personne. Là. Ça a été vite, super, mais super. J'ai mis un petit bruit de modem. Ah, okay, c'est ça, c'est ça que quelqu'un... Non, mais quand vous suivez sur Twitch, quand tu suis les streamers sur Twitch, ouais. ils ont toutes des animations, de la musique, ben, tout ça. Moi, je suis allé comme petit ça, modem. J'aimerais ça m'entendre beaucoup, là. C'est ça qu'on m'entend pas, là. J'aimerais ça m'entendre comme une dizaine. Ça prend des nouvelles personnes qui nous suivent. Effectivement, ce serait le fun. Hein. Faut juste cliquer sur le petit cœur en haut. C'est ça le cœur, je pense, ouais. Suivre. Ouais, okay. Puis, je vais terminer. Je vais faire une Fabienne Larouche de moi-même. Je vais terminer en vous montrant la prochaine étape, vers où on s'en va, vers OpenShift. Regardez ça, parce que là, j'ai mon stockage. Hein, on l'a dit tantôt, j'ai mon stockage pour n'importe quel use case. J'ai géré les use cases de déploiement. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste mon legacy, mes machines virtuelles. Regardez ça, je peux rouler. Teaser, hein, ouais, rouler ma machine virtuelle à même ma plateforme de container. Prochain épisode. Prochain épisode, effectivement, Martin, c'est un petit teaser que tu as fait. C'est une bonne idée de le montrer. Mais on va montrer en fait le prochain épisode. J'ai pas de date encore, mais comment mettre CNV en place qui permet de rouler des machines virtuelles dans OpenShift. Donc, Martin, tu as vendu notre punch prochain épisode. Hey, juste pour finir, revenir à OCS, Martin, c'est un produit qu'on achète
à part, tiens, une autre personne qui se joint à nous. Merci. Donc, oui, ouais, c'est ça. OCS, ça se vend à part. Ça vient pas bundler avec OpenShift, bien sûr. Donc, on vend, je me souviens pas la structure de prix, là. Fin... Ben, c'est par corps, en fait. C'est ça, c'est par corps. Mais tu sais, je veux peut-être pas. Non, mais juste dire que tout simplement, ça vient pas bundler avec OpenShift. C'est vraiment un produit à part. Il faut faire l'acquisition à part du produit. Ouais. Puis, avec le produit, bien, vient Ceph, vient Rock et vient Nuba. Donc, tout ça est bundlé dans OCS. Tout ce que j'ai démontré, finalement, ouais. Tout ce qu'on a vu tantôt, ça fait partie d'OCS. OK, donc j'ai des petites questions sur le chat, Martin. On pourrait peut-être finir avec ça. On va regarder vite, vite. Bonjour. Quelqu'un qui nous regarde sur une Switch. C'est bien. Je ne savais pas que ça fonctionnait sur Switch. Sur c'est ça Switch? Que je c'est bien sur Switch, messieurs. C'est Simon. Je ne sais pas si c'est Nintendo Switch. Je ne comprends pas la question, Simon. OK. Mais il nous regarde sur sa Nintendo. Ben, écoute, je ne sais pas si c'est ça qu'il veut dire. Mais j'ai vu cette semaine, mais est-ce qu'elles sont capables de parler sur les réseaux des pods? Je sais pas parler sur le réseau des pods. Ouais. Ben, j'ai une palée, ça veut dire parler. Là. Est-ce qu'ils sont capables de parler sur le réseau des pods? Ah, les VM? Les VM, oui. Oui, c'est au sujet des VM, ouais, ta question. Je sais pas. Ouais. Bonne question. Oui. Mais encore une fois, ça, on va en faire la démonstration un petit peu plus tard. Mais sinon, Simon, tu connais mon email. Ouais. Excellent. Écoute, Martin, merci. Super démonstration. En plus, ça a été enregistré, donc on va pouvoir réutiliser ça s'il y a des gens qui nous posent des questions, comment ça fonctionne. Je sais qu'on est allé très vite dans l'installation. Peut-être qu'on s'en prendra avec une vidéo à part, les pas à pas, mais c'est hyper simple. Effectivement, j'ai accompagné Martin dans un des labs qu'on a fait avec un client et c'est vraiment très rapide d'installer OCS. Là, ça prend pas des semaines, là, c'est une question de minutes. C'est sûr qu'en dessous, on s'en va. Donc, Martin, comment tu as trouvé ça? Écoute, je suis super content. Ouais. J'adore ça. Ben, vous le savez, j'aime ça, me montrer faire des démos, regarder parler de trucs techno. J'ai toujours aimé ça. Ouais. C'est pas nouveau. Puis là, c'est encore plus trippant. On est live devant les gens. J'ai aucune idée combien il y a de personnes de connectées. Écoute, on a eu une vingtaine de personnes. À un moment donné, on a monté à une vingtaine de personnes, mais ça vient, ça part, ça vient. Fait que après l'épisode, je vais avoir des statistiques plus précises sur le total, là, mais on a eu quand même beaucoup de monde. 120, t'as dit, hein? Non, 20. Comme ça, c'est le visé 120. Là. On va viser ça le prochain mois. C'est bon, excellent. Écoute, c'était super le fun, Martin, d'être là. C'est plus dynamique, je pense. S'il y en a qui ont des commentaires, qui nous regardent, allez-y, passez vos commentaires si vous avez aimé ça. Je pense qu'on va reprendre ça la prochaine fois. Et je vais voir si je me fais un écran vert, moi aussi, ou pas. Je te laisse aller avec ça. Donc, prochain épisode, tout le monde, écoute, j'ai pas de date encore, normalement on fait aux 3 semaines, mais on a tellement de matériel à présenter à cause du Red Hat Summit, et Martin, c'est vrai que t'es disponibilité aussi, là, mais on pourra peut-être reprendre ça d'ici 2 semaines au lieu de 3, donc de faire, pour passer cette information-là, il y a tellement d'informations tripantes et intéressantes, un paquet de petites démos qu'on va vous montrer aussi, là, qu'on a à vous montrer, donc... Donc écoute, merci Martin d'avoir été là, merci à tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui quand même, on a eu beaucoup de monde, je suis très content, et on se dit à peut-être dans 2 semaines ou sinon 3. Donc bon week-end tout le monde, bon week-end Martin. Merci à tout le monde, bye bye, à la prochaine.